Moi, je travaille à Terre Dynamique. Je suis une démonstratrice scientifique. Alors, mon programme, c'est un génie chimique à l'Université Laurentienne. J'adore mon programme parce qu'il me permet d'aller dans n'importe quel type d'entreprise scientifique, par exemple un laboratoire, les mines, un hôpital, pour essayer de développer des nouvelles façons de concevoir des procédés chimiques. Les mathématiques que j'ai étudiées au secondaire m'aident énormément dans mon programme en ce moment même, parce que je suis en génie, donc je suis entourée par la science et les mathématiques. C'est comme ma deuxième maison. Alors, avoir fait beaucoup de mathématiques au secondaire, avoir pris des cours enrichis, m'a permis de pousser mes limites assez pour arriver à l'université puis que ce soit un peu plus facile, disons. Moi, au primaire, j'aimais beaucoup les mathématiques. Et quand je suis rentrée au secondaire, là, les choses commençaient à se corser un peu plus. J'ai fait face à plusieurs défis en mathématiques. Donc, j'avais envie de tout lâcher, je n'aimais pas ça. Puis, je comprenais pas, je trouvais que c'était difficile. Mais ensuite, j'ai commencé à demander de l'aide. Je me suis découvert des nouvelles habiletés d'apprentissage. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre. Donc, la compréhension de la matière m'a fait aimer les mathématiques. Pour moi, la communication entre un adolescent et nos parents est très, très, très importante. Parce que, premièrement, ce sont nos parents. Nos parents, qu'ils le montrent ou non, ils veulent qu'on réussisse dans la vie. Donc, mon père, j'y posais beaucoup de questions mathématiques. Il a toujours été là, à grands bras ouverts pour venir m'aider. Donc, c'était une aide facile que je pouvais venir m'approprier n'importe quand. J'ai aussi fait beaucoup de recherches sur Internet pour m'aider à mieux comprendre les mathématiques. Alors, j'allais voir des leçons, des types de classes. Des fois, il y a même des professeurs qui publient des chapitres de leurs cours de mathématiques. Donc, j'ai pu me baser là-dessus. Puis, en regardant ces notes-là sur Internet, qui ressemblait à des exercices que moi, je devais faire, je voyais différentes manières de résoudre le problème. Donc, moi, ça m'a permis de trouver ma propre façon de résoudre mes problèmes en mathématiques. J'ai travaillé dur, mais je vois que maintenant, ça vaut vraiment la peine. La transition du secondaire à l'université a été assez spéciale pour moi. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais c'est vrai que si je le prends du côté mathématique, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile. Parce qu'au secondaire, j'étais habituée dans une petite classe, une vingtaine de personnes. On était un à un avec notre professeur, on pouvait poser autant de questions qu'on voulait. Là, j'arrive, je suis assise dans un auditorium, les sièges comme au cinéma, avec une petite tablette à côté de moi. On est 80 personnes. Donc, c'était assez effrayant pour moi, puis un peu imposant. Donc, j'ai dû aller à la bibliothèque, chercher des livres, trouver des notes, essayer de me réhabituer à ce nouveau type de travail-là. Puis une fois que j'ai pogné le petit bide, ben là, tout va très, très bien.